أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى في نبوي نبي كريم صلى الله عليه وسلم comme dernier Nabi, comme dernier Rasoul, avec un dernier message dans le faux Coran que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin gagné, et il fin gagné la responsabilité pour expliquer ce qui est là dans le Coran, ce qui Allah Rabbul Alameen fin oulé dit dans différents surahs, dans différents ayats. Ce Coran que Nabi Karim a gagné, lui préservé en écrit, et son explication que Nabi Karim a donné, ça aussi lui préservé dans forme d'un hadith en écrit. Allah Rabbul Alameen fin prendre une disposition pour que l'enseignement de son dernier Nabi, dernier Rasoul, lui reste préservé jusqu'à Qiyama. Allah, son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, pan laisse nourrir dans la vie en du monde, reste sans explication. Et ça va une explication que Nabi Karim m'a donnée. De manière simple, nous sommes capables de mettre dans trois chapitres différents. Et Naen, les lier avec nos akides, nos croyances. Et un autre chapitre, les lier avec nos pratiques, nos principes. Et nous avons un troisième, ce qui nous appelle Tasawuf ou bien Tazkiyah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'invini pour accomplir sa mission dans ces trois chapitres-là. Man ayat Coran, et dans certains ayats, les tombes de catégorie, اعتقاد عقيدة إن ستن آيات لبيتخد كتير فيك إن ستن آيات لبيكوز كونسيرن التزكية إلا يأكى سيدنا إبراهيم عليه السلام تفع دعاء 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 لتجي السمين أو الله أنوي أن رسول دعاء ديساندنا يتلو عليهم آياتك. Le beau récit de ban ayat devant ban là. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. Et il pour enseigner ban là, livre là, et il pour enseigner ban là, hikma, la sagesse. C'est-à-dire comment pour mettre ce livre là en pratique. Après, il dit wa yuzakkihim. Et après ça, il purifie ban là. Ce qui nous appelle tazkiya. Il est basé sur ce mot là. L'État nous guette côté Akida, nous gagne un ayat. D'une façon simple, Allah in résume un point essentiel dans nos croyances. Surah Al-Baqarah, ayat 177. Allah dit vrai taqwa parhezgari, vrai piété qui était. الله دي ولكن البر
man amana billahi wal yawmil akhir. Anjumun vraiment puis cet anjumun qui n'amène iman lo Allah et il n'amène iman lo akhira. Et il amène iman lo ban farishta man ange. Il amène iman lo ban livre qui Allah il fait descendre. Et il amène iman lo tout ban nabi qui Allah il envoyé. Ça c'est un résumé nous aqida là-da. Ben point essentiel dans nos croyances. Et quand nous cause nous aqida concernant Allah, nous iman lo Allah Rabbul Alamin, alors en même temps, il y a un point qui vient là-da, ce qui nous appelle taqdir. Parce qu'il est lié avec Allah Rabbul Alamin, nous aqida lo Allah. Alors Allah Rabbul Alamin depuis avant même l'y connaît. Qui pour arriver, qui s'en a, qui il peut faire, quand il peut faire, comment il peut faire, lui Allah Rabbul Alamin. Parce que l'ilm, azali, l'infini écrit à lui. Nous appelons lui taqdir. Nabi Karim dit à un musulman, lui obligé à mettre l'iman là. Et quand il dit cause, ou l'yom il akhir, il divise lui en deux, et là il appelle lui l'yom il akhir, et il y a une autre partie là-dedans, ou l'ba'thi ba'd al-maut. Un musulman, il y en a. Aqida, il y a un iman qui après sur la mort il peut être relevé et il peut bien rendre compte devant Allah. Quand le maître dans sa façon là, nous avons gagné sept points fondamentaux dans nos aqida, dans nos iman qui longtemps dans nos ulama écrit à lui dans la forme un paragraphe nous dit Aman tu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'thi ba'd al-maut. 7 points. Dans ces 7 points là, tous les 7 importants, en là-dedans, nous résider, nous sortir de l'islam. Ou bien en là-dedans, nous mal comprendre, nous mal prendre, là aussi nous sortir de l'islam. Nous pouvons qu'on s'assette là, comment Allah et son Rasoul enseignent, ce n'est pas moi ou nous avons décidé, mais concernant Allah, nous pouvons avoir sa qualité iman là, concernant Palestin, nous avons sa qualité iman là, c'est moi, ce n'est pas moi ou qui décide ça. C'est juste Allah et son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui explique ça. Malheureusement, je dis, iman, il vient dans la main de tout le monde. N'importe qui s'en a envie de décréter l'affaire fondamentale, lui décrète lui fondamentale. Ou pas croire là-dedans, ou en dehors de l'islam direct. Tragédie. Dans nous l'époque. Alors, un parmi ce point-là, c'est iman, le ban farishta. Il servit le mot malaïka. Un musulman, en tant qu'un musulman, nous croit dans l'existence de Farishta. Et là, nous devons faire attention. Il y a un groupe égaré, il levé. Les gens mais Farishta, il n'est pas sur l'existence lui-même. Il n'est pas une créature à part entière, non. Les Jaou, sa bon côté qui est dans un djoumoun, ça aime qui appelle Farishta, Malak, Malaika, et mauvais côté qui est dans un djoumoun, ça aime qui appelle ça Shaitan. Alors, ne pas believe qu'Allah a créé Farishta comme une créature dans lui-même là. Et ça, c'est couf. Vous obligez quoi dans l'existence de Farishta? C'est une créature. Quand les créatures ne pas prier, ne pas adorer, ban Farishta, Allah il crée ban la différent de ban les autres créatures. Allah il crée Farishta avec nous. Et Allah il crée ban la d'une telle façon qui peine à mal femelle ou bien monsieur madame dans ban Farishta. Et Farishta, Allah il crée lui-même d'une telle façon qu'il n'est pas besoin de manger, boire, d'autre n'a pas peuplé. Allah il crée les autres d'une telle façon qu'il est capable d'être invisible comme ça, mais d'être capable de paraître
dans différentes formes. Par exemple, Jibril alayhi salam qui bébine devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans la forme un sahabi appelé Dihya Kalabi. Et nous gagnons un autre hadith qui peut expliquer nous l'islam, qui peut expliquer nous l'iman, qui peut expliquer nous l'ihsan. Hadith là, il ne connaît pas hadith et Jibril. Maintenant, l'ama, il appelle hadith et Jibril. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, il rapporte hadith là. Les gens qui peuvent assister avec le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons un jumon apparaît. Et Hadith Omar, radiyallahu anhu, il donne une description personne là. Les gens sont l'un qui bien blanc. Sur ce CV, si noir, parce qu'il n'y a aucune trace de fatigue avec lui. Et parmi nous, personne ne connaît lui. Personne ne connaît lui. Il rentre dans le majlis du Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive près avec le Nabi Karim, il assise devant le Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Tellement près, sur des genoux, tu peux toucher avec des genoux Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il pose question, Nabi Karim répond lui. Quand Nabi Karim répond lui, lui-même lui dit, Sadakta, tu bien dire. Alors, mon sahaba de dire, nous sommes étonnés, du monde là, il pose question lui-même, ce qui veut dire, il n'est pas comme ça, il pose question pour lui connaître. Mais quand Nabi Karim répond lui, il confirme la réponse là, il dit ça, nous reste drôle. Et pour la deuxième question, Nabi Karim répond lui, il dit Salah, tu as ton bien dire. Et pour la troisième question, Nabi Karim répond lui, il dit ton bien dire. Un long hadith. Et quand la conversation là, il finit, je me là, il allait. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il demande à mon sahaba, est-ce qu'il te connaît qui s'en a ça? Mon sahaba dit Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah et son Rasul connaît plus bien. Léala Nabi Karim dit c'était Jibril alayhi salam, il est venu pour enseigner Zod Din. C'est-à-dire, il est venu pour poser une question devant d'autres. Quand vous répondez à une question là, il y a un moyen pour d'autres en prendre. Jibril alayhi salam. C'était Jibril alayhi salam. Alors, nous musulmans, nous croyons dans l'existence d'un farishta. Qui quantité farishta Allah il crée, Allah même connaît, ou bien selon l'enseignement Allah Rasulullah connaît. Nous, nous ne sommes pas capables de connaître par nous combien farishta Allah il crée. Coran dit nous personne pas connaît, Allah sur l'armée. C'est un mot facile de dire ici, l'armée, c'est un farishta. Combien farishta Allah il crée, nous ne sommes pas capables de connaître. Mais Allah il crée un farishta. Depuis tout à l'heure, mon bénéfice dit créer, créer, créer. Quand nous n'avons pas conservé un terme ou bien compris un terme dans l'île, nous pouvons exister un mot sur le sens littéral, nous pouvons comprendre que ce mot-là a un autre sens. Et nous appelons ça créer. En arabe, nous servons le mot khalaqa. Et les tamans ulama, incluant à la Hazrat Fadil Ibrahim, lui rahmatullahi alayhi, les gens, il y a un, nous appelons ça Amr, et il y en a un autre, nous appelons ça Khalq. Nous, en créole, nous vous disons créer, mais quand nous disons Amr, ici, Allah, il crée quelque chose-là sans qu'il y ait servi en matière, Allah, il crée, il n'existe pas sur l'autre. Par exemple, Allah voulait un quelque chose existe, l'inek donne l'autre quelque chose là pour y exister, quelque chose là existe. Allah n'est donne l'autre, c'est ça qui nous dit kon fayako. Quand Allah dit être, ça quelque chose là existe. Ça c'est amr. Et quand nous dit Allah il crée insan,
Il crée insan avec une matière, il crée vie avec la terre, avec mélange de l'eau, avec ça, avec ça. Alors, il servit le mot khalaqa, khalaqa l'insan. Il servit le mot khalaqa. Alors, quand nous ne comprenons pas ce terme-là, ce qu'il nous appelle fiqh al-lugha, beaucoup garbal. Beaucoup garbal. Nous ne comprenons pas ce terme-là. Et nous ne les comprenons pas là. Nous ne les comprenons pas. Parce qu'ils m'ont fini mettre dans mon latin, moi qui ai la raison, tout ce qui est là, peine la raison. Peine à comprendre. Ou amène tout argument devant. Je ne suis pas intéressé avec ton prêt, moi. Moi, Hazrat, il y a moi, ça, moi, suivre ça, moi. Ah, le sol n'a pas de pas sur l'enseignement, ça. Bref, Allah, il crée, ben, Farishta, beaucoup, et il crée, ben, là, de manière spéciale, d'autres n'a pas peuplé. Allah, il crée d'autres même comment d'autres étaient. Et Allah, il crée d'autres, il donne d'autres, ben, les ailes, et là, il y a deux, et là, il y a trois, il y a les mêmes, jusqu'à Jibril, alayhi salam, il y en a 600 les ailes. Et c'est man, une créature qui est une, la force extraordinaire. Une la force extraordinaire. Man Farishta existe. Allah il crée. Et en Man Farishta, Allah il crée pour accomplir une certaine responsabilité. Et dit bon, on connaît que Farishta nous dit. Seulement, ben Ambiya et Kiram et ben Ange, ben Farishta, ça va là d'être ma'asoum. Ici, tu es ma'asoum, veut dire d'être n'a pas commis de gouna. Intentionnellement, d'être n'a pas commis de gouna. Farishta aussi, comme ça. Et parfois, il y a certaines man livres, il y a mentionné un rivayat qui tient à des Farishta qui vini. Et ben là, il désobéit à Allah, finalement, Allah Souada, il descend le ban là, ben ulama dit que c'est une fausse rivayat ça. Parce qu'il dès le départ, il finit, il dit nous, Farishta, il masoum, il n'est pas désobéi à Allah du tout. Coran, créalo là. La yarsoun Allah, ma amarahum, wa yafalouna ma yukmaroun. Ben Farishta n'a pas désobéi à Allah sur l'autre, et de faire juste ce qu'ils ont gagné l'autre pour faire. Et dans cette Farishta, nous ne connaissons pas à travers d'autres noms, comme en Coran, il mentionne Jibril alayhi salam, Mikaïl alayhi salam, et dans Farishta, que le Nabi Karim dit d'autres noms dans un hadith, et dans un Farishta, nous ne connaissons pas à travers ça, travail que Allah donne lui là. Par exemple, un Farishta qui Allah crée lui, il donne lui responsabilité, c'est ruh ban créature. Alors, le Coran il appelle lui Malakul Maut. Le mot Malak, c'est singulier. En pluriel, nous dit Malaika. Et dans Farishta, Allah il crée lui, il donne lui responsabilité de transmettre ce ban message à ban Nabi, à ban Rasoul. Par exemple, Jibril alayhi salam. Et parfois, arrivé, Jibril alayhi salam, il descend avec un wahi. Mais ensemble, Allah envoie plusieurs à Farishta. Et dans Farishta, Allah il crée lui avec une responsabilité pour lui écrire action qu'il sent faire. Ce qu'il nous connaît, qui est Roman Katibin. Et dans Farishta, Allah il crée lui avec responsabilité, il y en a pour poser question du monde dans le couple. Et dans Farishta, Allah il crée lui, l'état libini, libini ensemble avec man, avec Malakul Maut. C'est-à-dire Malakul Maut, libabin tout seul. Libini avec un millier ban Farishta, Malakul Maut li pa roh la, et ban les autres Farishta, ça dépend de l'autre là, si tu es un bon djoumoun ou bien un mauvais djoumoun, de prendre djoumoun là, de donner ce traitement qui est bizarre, et de l'amener vers l'échelle, après de retourner quand mettre dans ce cadre, roh la, Farishta mettre dans l'école là, et Farishta vini pour poser question. Et dans ban Farishta, là, il crée, et spécialement, les promener le la terre, de te rôder, quand il y a du monde, puis envoyer de roue de salam le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a quelqu'un, puis envoyer de roue de salam, de te prendre de roue de salam, de t'envoyer ça, présente ça devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam,
et de dire un tel parmi ton umma, il envoie Darud et Salam pour toi. Et dans le Farishta, Allah il crée eux même pour aider les musulmans dans un moment difficile. Et dans le Farishta, Allah il crée pour être puni les kafirs, les mouchriques. Et dans le Farishta, Allah il crée pour les ensors, les montagnes. Et dans le Farishta, Allah il donne responsabilité pour faire cyclone, pour faire la pluie, pour faire les calamités venir. Alors, différents farishta, Allah il crée d'autres avec différents devoirs qu'ils doivent accomplir. Et dans le farishta, les suaveillent Jahannam, et dans le farishta, les suaveillent Jannat. Et dans le farishta, les suaveillent l'échelle. Et dans le farishta, est spécial. Allah il crée d'autres, par exemple, quand il arrive, Jum'a, Allah envoie des farishtas rester la peau, de te prendre nom, de te prendre présence des bandes du monde dans une résiste, qui s'en a une première, qui s'en a une deuxième, il y a les mêmes comme ça. Ben farishta là, il crie non, prépare résiste. Peut faire présence, ben moussali, qui est venu pour Jum'a. Et quand il arrive là pour faire khutba, quand l'imam monte le mimbar pour faire khutba, alors farishta ramasse son résiste. De tout aussi de t'assister dans masjid pour écouter khutba, pour écouter dhikr. À cause de ça, les bons, si nous venons, bonnet à la masjid pour qu'ils nous n'ont pas de la résiste là. Et comme ça même. Et dans certaines manifestations, Allah il crée les autres et d'autres restent promener le la terre. Et les bons nous comprend. Aujourd'hui, nous situations. C'est négligence, ou bien manque de connaissances. Nous ratons beaucoup du bien, beaucoup de khaïr. Beaucoup de questions de bien, Allah, ils mettent dans nos disponibilités, par nos ignorances. Nous négligeons ça. Et finalement, c'est nous qui perdons. Aujourd'hui, nous tous envie et la case. Terme en arabe pour la case, il y a plusieurs termes, il servit le mot baït, il servit le mot dar, il servit le mot manzil, il servit le mot maskan. Maskan. En la case que tu habites. Il sortit d'un verbe sakana yaskunu, sa place que tu habites ou restez là, appelé maskan. Coran, il cause ça. Nous besoin d'un local pour rester. Nous tous besoin d'un local pour rester. Mais parfois, si tant nous attachés avec sa luxe dans nos local là, nous pas disposés à quitter ça pour un petit moment pour venir faire l'ibadat Allah. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Alors, nous mettons dans nos la tête. Mais dans un grand local, nous avons tout luxe. Nous pensons nos problèmes pour résoudre. Nos problèmes, pas de résoudre, nos problèmes, ils sont compliqués. Qui cher, raison principale. Nous n'attachons avec ça la case de dunia là. Nous tellement attachés avec ça, luxe de dunia là. Nous n'oublions en tant qu'un musulman, nous tenons une responsabilité faire ibadat Allah. Nous n'oublions ça. Aujourd'hui, nous avons tout. Nous avons la case. Nous avons au moins des ventilateurs. Nous avons un aircon, nous avons un heater, un taquet au PC ou un café là direct là, un taquet au PC ou un JT là correct, un taquet au PC manger là il finit saut. Ou il a une présidée au cave, réserve à manger là pour une semaine. La viande briani, on finit gardé pour 6 mois. 6 mois, nous va passer la viande, nous finit stocker. Nous avons le dernier modèle. Mais seulement, la majorité parmi nous, nous manque un kit sol, ce qu'ils nous appellent soukoun.
Et ça mot sukun là aussi. Les mêmes l'origine, sakanayas kono maskan lakal, et sukun c'est sa tranquillité là. Tranquille. Nous en a maskan, nous en a maskan, mais nous en a sukun. Nous en a maskan, nous en a lakal, mais nous en a sukun. Qui raison? Pourtant nous en travail, ben là y a ou bégay casse, comment dire, gogo bégay casse là. Mais seulement redemande-lui, est-ce qu'il y a avec tout sa casse qui te est là, un seul qui te sauve, dis-moi si pas tu es là, soukoun, ça n'a là non. Il peut besoin de boire calme pour dormir. Il peut besoin aval, comment dire, thé chinois pour les dormir. Il peut besoin de faire thermosène partout pour les dormir. Il peut besoin de prendre Xanax pour les dormir. Sommeil, papi gagné. Sommeil, papi gagné. Nous payons la rahat, nous payons la chain, nous payons la sukoun. Dans une situation comme ça, l'islam il montre nous une place ou bien un principe qui Allah lui-même lui donne toi garantie. Nabi Karim avec son lamouche Mubarak il donne nous garantie. Si tu ne fais ça, Allah peut faire descendre Sakina de toi. Quand nous disons Sakina, Sakana, même l'origine, Sakina, c'est qui nous appelons dans nos langages, comment dire, intellectuel là, Inna peace, subhanallah. Inna peace, Allah peut dire, donne-toi ça. Quand ça nous va gagner. Mais qui est au potable Mubarak, c'est le hadith là, un coup. Muslim, 26,99. Sahih Muslim, 26,99. Long hadith. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. L'indianou ban kitsol ki. Un hadith qui nous n'est la cause là. Ban kitsol ki bo bénéficier d'akhirat. Nabi Karim dit celui qui résout un problème pour son frère musulman dans la dunya, Allah résout son problème d'akhirat. Celui qui donne une facilité à son frère musulman dans la dunya, Allah facilite pour lui dans la dunya et d'akhirat. C'est lui qui cachait le dépôt de son frère musulman dans la dunya. Allah cachait son dépôt dans la dunya et dans l'akhirat. En même temps, Nabi Karim dit, à chaque fois qu'il y a un groupe de monde, une rassemblée, il servit le mot baït, fi baït in min buyout illa, dans un lakal, parmi Allah sur lakal, il a envie d'y aller dans le masjid. Qui peut faire dans le masjid là? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, de joindre pour faire tilawat Coran, wa yatada rasunahu bainahum, et je t'emprunte Coran, je t'emprunte Coran en jut. 26,99, Sahih Muslim. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, wallahu fi auni l'abd, Allah s'aide avec sa banda qui a l'aide de son frère musulman. Après Nabi Karim dit wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, celui qui prend un chemin pour y aller chercher la connaissance d'il, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, Allah facilite un chemin à travers ça pour y rendre à jannah. Une sortie pour aller en prendre din. Pose même question là, ça a une semaine qui ne passait là, combien jours, combien pas une marche pour assister dans une classe, ou bien un masjid, un madrasa, une empreinte d'im. Pose même question là. Ensuite, Nabi Karim dit, qui est arrivé quand tu as assisté pour lire le Coran, pour empreindre le Coran en jeu? Nabi Karim, il servit sa thème là. Illa nazalat alayhim sakina. Ça, Allah descend sa ina peace là dans sa lekeya là. Mais quand nous pas nous venir, nous pas nous bénéficier sa tranquillité dans lekeya là. Sa rahat, sa sukoun dans lekeya là pan ina. Parce que nous tournons le dos avec le Coran. Et le Coran qui nous dit nous, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Celui qui tourne le dos avec mon dhikra. Dhikra c'est Coran. C'est ibadat, c'est namaz, c'est islam. Celui qui tourne les dos avec mon dhikra. Coran dit à l'ibougaï en la vie misérable. Vraiment, nous sommes en la vie misérable. Malgré tout, nous pouvons vivre côté, comment dire, côté l'océan, mais nous soif. Pena rahat.
Pena chain, pena sukun, donne-nous la case. Donne-nous la case, pena rahat. Le taouguet, c'est qui nous mange enfin de venir. Le taouguet, madame là, c'est qui est de venir. Ou bien le taouguet, madame là, c'est qui est monsieur in de venir. Pena rahat, pena sukun, pena chain. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit wa rashiyat humur rahma. Allah sur rahmat kouveya sa manjumunla. Wa haffat humur. Malaïka, ça va une palista spéciale, Allah in créé l'état de trou d'Amazil peut emprunter le Coran, ça va une palista là en cercle, mes filles. Ou imaginez, ça khaïr qui nous peut rater quand nous faisons négligence. Là, dans le hadith là, une cause concernant le Coran. Dans le Sahih Muslim même. Même chapitre, s'en allant, c'est 26-99. L'autre là c'est 26-89 musulmans. Nabi Karim une cause concernant dhikr. Et la ban farishta. Quand on trouve un mehfil pour faire dhikr Allah, d'autres venir d'autres assister mehfil là. Et sa ban farishta là, l'état d'autres monde va aller seul. Allah dit à d'autres, oh ban farishta, de qui l'état d'un jeune mobanda. Pourtant Allah compte tout bien. Ban farishta dit, oh Allah, nous trouvons un tel tout banda pour faire tout zikr. Puis demande Jannat avec toi. Puis demande-toi protection contre Jahannam. Dans le hadith Sahih Muslim, il y a une phrase une servie là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, le dit quand mes filles peuvent faire zikr Allah, un jumon gounehgar, les trouve peuvent faire zikr Allah, l'invinin et la sire de mes filles. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, le dit. Les gens qui ont été rentrés, ils ont été rentrés, ils ont été rentrés, ils ont participé dans mes filles et dhikr. Ban Farishta. Allah dit à Ban Farishta de rester moi et mon pardon tout ça, ban Jumon qui est dans mes filles et dhikr. Farishta dit à Allah, il a un tout banda là de khatta. Gounhegar. Khatta. Ya Allah, il a un tout banda là de gounhegar. Allah dit à Ban Farishta, sa gounehgar là aussi, mon pardon lui, parce qu'il sa méfie les zikar là, c'est un peuple, un groupe de monde, qui c'est lui qui reste attaché avec les autres, lui aussi, il va sortir par Adam. Un gounehgar assis dans méfie les zikr. Dans l'autre hadith qui est là avec moi à l'alcool, l'état, papi 40 de détails, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, des gens viennent, pour faire zikr. Nabi Karim dit, quand on peut faire dhikr, des gens sont venus, et là, ils sont venus, ils trouvent une place dans mes fils, ils assisent. Et l'autre là, ils sont assis dans un coin là. Le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, ça, des gens qui sont assis dans mes fils là, Allah dit à Ban Farishta de rester moi, mon pardonne-lui, parce qu'il est assis avec Ban Jumon qui peut faire dhikr Allah. Tiens un zamana, tiens un dhikr dans un masjid. Nous tu peux profiter avec ça. Aujourd'hui, nous gagnons ça l'occasion là, nous n'avons pas de compte sa facile qui est là quand on assise dans mes filles d'ikr. Et finalement, quand on rentre la case, nous n'y pensons, nous voulons nous bien-être dans la case. Flop! Pena rahat dans la case. Pena barakat dans la case. Nous nous éloignons avec zikr Allah et nous pouvons envie mettre un petit avis dans le coin de la porte pour la barakat. Subhanallah. Ou imaginons la qui l'état contre nous mini là, Allah Rabbul Alamin, fait hifadat sa ummat là, wa akhiru dawana, alhamdulillah.